et ça sera une vidéo, mes résolutions de l'année 2017, suivez-moi. Première résolution, terminer mon livre La voleuse des livres. Je l'ai entamé il y a un an, j'ai lu 1000 pages en PDF et je l'ai arrêté. Donc pour 2017, je le terminerai. Deuxième résolution, lire en arabe. Et oui, j'ai décidé cette année de lire en arabe. Décidé de me la vie. Alors j'ai acheté quelques livres qui sont juste ici, si vous voulez. Je vous les présenterai dans une autre vidéo. Je les ai achetés ici, là. Et j'ai hâte de lire en arabe parce que j'adore cette langue. Et vu mes études et tout, je me suis consacrée exclusivement au français. Mais j'aimerais bien y retourner. Donc oui, je lirai en arabe. Troisième résolution, je veux lire des nouvelles pour l'année 2017. Je ne fais que lire des romans, majoritairement des romans, peut-être parfois des études, mais rarement des nouvelles. Donc oui, je lirai des nouvelles pour l'année 2017. Quatrième résolution, je voudrais changer un petit peu de genre. Je ne lis que du historique, politique, philosophique. Alors oui, je voudrais m'y mettre un petit peu au thriller, policier, romance, peut-être, pourquoi pas. Alors oui, je voudrais lire d'autres genres pour l'année 2017. Cinquième résolution, je voudrais terminer ma palle parce que oui, j'ai une palle, une pile à lire que j'ai remplie il y a un bout de temps maintenant et que je n'ai pas terminée. Je ne suis pas si fière de mon parcours pour cette année. Je n'ai pas vraiment lu autant de livres que je voulais. Donc, au moins 50 kitabs, mais même pas Aïcheline entre nous, et ça, j'en suis pas si fière et je voudrais y remédier en 2017, Inch'Allah. Sixième résolution, j'ai décidé de ne plus acheter de livres pour l'année 2017 parce que j'en ai assez acheté aussi. Là, je vous ai fait des photos, je ne les ai pas encore tous lus, et entre nous, Kitab Batman, Kitab Batman, Kitab Sila 2014, Kitab Batman, Sila 2015. Que je n'ai pas encore terminé, donc non, je n'achèterai pas de livres pour l'année 2017, enfin j'essaierai, et je vais attendre je vais attendre le SILA, donc octobre ou novembre 2017, ça sera long, mais je vais essayer d'attendre. Septième résolution, et celle qui va vous faire plaisir, enfin j'espère, j'essaierai de faire plus de vidéos booktube, j'essaie un petit peu d'aménager les choses et je vais être plus pointilleuse niveau vidéo. Ça c'est une promesse, j'espère que je vais la tenir. Huitième résolution, je voudrais me remettre à l'écriture. Parce que oui, j'écris et j'adore ça, mais en 2016 je n'ai pas fait grand chose, c'était un petit peu chaotique. 2016, je pense que vous l'aurez comprise. Donc oui, je voudrais m'y remettre, je voudrais m'y remettre plus sérieusement. Et je voudrais faire un travail d'écriture sérieux parce que oui, je fais partie de ceux qui croient que l'écriture c'est noircir du papier, c'est travailler, écrire et réécrire pour trouver notre bonheur, et non, ce n'est pas vraiment un don. Enfin, je pense que c'est comme ça. Neuvième résolution, je voudrais terminer tous les livres que j'ai entamés et pas terminés. Parce que oui, je le fais souvent, je me mets à lire 4-5 livres à la fois et je ne les termine pas tous. Et ça, je voudrais cette année y remédier et terminer tous les livres que je n'ai pas terminés. Ici par exemple nous avons alors Saint-Martin que je n'ai pas terminé, il y en a plein que je n'ai pas terminé et je voudrais vraiment les terminer pour cette année 2017. Dixième résolution, lire Algérie. Et oui, je fais partie de ceux qui n'ont lu que les classiques, des classiques, les cathèdres, etc. Et pas vraiment, je n'ai pas vraiment accordé le bénéfice du doute à d'autres écrivains algériens et je voudrais vraiment le faire en 2017 parce que nous avons des écrivains mais vraiment énorme et que je voudrais découvrir, Inch'Allah. J'en ai acheté assez. Je pense que quand même en 2016 aussi, là 2016, j'y ai pensé et j'espère pouvoir les lire, Inch'Allah. Alors, onzième résolution, je voudrais m'acheter un meuble, un nouveau meuble pour mes livres parce que celui-ci ne suffit plus. Pardon, il aime comme un book tour, on aurait pu faire un livre dormir et j'aimerais m'acheter un nouveau meuble. D'ailleurs, là, je parle à ma mère de ça. Et voilà, je voudrais acheter un meuble qui fait tout le long d'une heure. Et Inch'Allah. Mais avant ça, je vous ferai Inch'Allah le book tour. Douzième résolution, je voudrais enfin parce que j'écoute souvent de la musique, les moyens de transport en commun, au lieu de lire. Même si je me dis Yomankara, mais en fait non, les écouteurs taillés, j'adore des chansons qui se succèdent, et voilà.
rarement oui, je peux de mon livre et je le lis, j'ai perdu la lecture d'habitude et je voudrais la reprendre en 2017, Inch'Allah. 13e résolution, je voudrais économiser de l'argent pour nous faire des concours, Inch'Allah. Je sais qu'on n'en a pas fait assez, ni sur YouTube, ni sur, sur la page, qu'est-ce que je suis en train de dire, nous en avons pas fait du tout. Nous le savons, nous y pensons tout le temps. Inch'Allah, on va vous faire des concours en 2017. Ça, c'est une promesse que je tiendrai de l'ignorer. 14e résolution, lire tous les Nietzsche. En 2017, j'ai décidé de lire tous les Nietzsche. Je sais, c'est bizarre comme résolution, c'est pas facile à tenir. Mais je lirai tous les Nietzsche. Croyez-le ou pas, à la balle, vous êtes en train de vous dire, elle ne le fera pas, je le ferai, ok? 15e et dernière résolution pour l'année 2017, je voudrais lire minimum 50 livres. Donc là, out, le 31 décembre 2017, Inch'Allah. Et Inch'Allah, j'espère que je les aurai lus, peut-être même plus. J'ai mis 50, mais bitch, visée encore plus loin parce que l'année dernière, je me suis dit 80 au salon des circonstances, une maqalach kamel qui m'a fait bitch. Donc, Adam, je vais être un petit peu raisonnable, je vais dire 50, en moyenne de un livre par semaine et j'espère, Inch'Allah, pouvoir le faire. Et pour ceux qui voudraient le faire avec moi, j'aimerais bien qu'on le fasse en groupe, alors n'hésitez pas à me laisser un petit message sur la page ou bien en commentaire. Voilà, j'aurais terminé avec mes résolutions pour 2017. Je voudrais partir sur de bonnes bases, Inch'Allah, niveau lecture. Je voudrais passer une année agréable, mais je serai satisfaite, Inch'Allah, de mes lectures, de mes découvertes. Inch'Allah, je tiendrai mes résolutions, mes buts, mes objectifs de l'année 2017. N'hésitez pas à me dire tout, moi, vos résolutions pour l'année 2017. Partons tous sur de bonnes bases. Sur ce, je vous dis excellente année à tous. Inch'Allah, ça sera la meilleure année de toute votre vie. Je ne sais pas comment le dire. Inch'Allah, vous ferez d'excellentes découvertes. Inch'Allah, vous connaîtrez d'excellentes personnes, que du bonheur. Et puis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.